Un grand bienvenue ici avec Miss Maurice Couronnée, le 6 août 2016, âgée de 21 ans, none other. She is Miss Bessica Bactoa. Nous vous disons un grand bonjour, bonjour Bessica. Bonjour Manishma, bonjour Télé Plus, bonjour A2 Plus. Alors, dis-nous, explique-nous même, moment tu as envie ou qui vous donne une introduction about yourself. Je m'appelle Bessica Bactoa, âgée de 21 ans. Oui. Maurice Triolet, mais étudier la psychologie à l'université de Maurice. Qui me fait une déclic au fait de te la tête pour dire on pourra inscrire moi Miss Maurice. L'année dernière quand Danica a gagné, à ce moment-là, m'ont bien inspiré Polly, une fille bien simple, a beaucoup de caractère mais en même temps simple, bien gentille. Donc moi aussi j'ai envie de participer. Vu que l'une inspire moi beaucoup, moi j'ai envie d'inspirer les autres filles, les autres jeunes filles, et me trouver que tout les filles qui participent dans ce concours-là deviennent beaucoup plus indépendantes. Qui te donne goals, qui te donne achievements comme ça, qui te peut atteindre à partir qui te finit gain Miss Maurice de ta carrière. Est-ce que c'est un sens guideuse de ta carrière? Dans ma carrière, non, pas vraiment, parce que mon cours, mon université, tout comme moi, je suis allée l'année dernière, avant, et c'est juste que je suis beaucoup plus occupée. Donc c'est études, interviews, faire un truc, c'est qu'il m'a pour faire comme Miss Maurice. Toi tu connais Enzo qui, wow, once upon a time, I'll be Miss Maurice. Non. Tu vas t'attendre non, ça? Non, jamais. Même commencement cette année-là, comme je trouve les autres Miss Maurice, même l'année dernière, non, pas t'attendre. Mais c'est juste sur Facebook cette année-là, comme on trouve qui est en forme pour inscrire nous. À ce moment-là, j'ai essayé quand même, parce que j'ai envie d'essayer pour juste connaître qui peut arriver. Et Diane, raconte-nous ça parcours depuis le commencement, parce qu'il me connaît, nous avons beaucoup d'éliminations, nous avons beaucoup de ben, struggles, nous avons beaucoup d'obstacles ben, surtout, avant que ton récit arrive à ce stage. Là, raconte-nous ça parcours là, un petit peu. Donc, commencement, jour casting surtout, mais tu as plusieurs filles, maintenant, il y a nous qui, il y a plus que scientifiques qui n'inscrivent pour casting, mais tu as 10-25 qui sont sélectés. Donc, même ça, je voulais me sentir bien fière, qui, parmi tous ces 28 là, il y a parmi 25. Après 3 jours, enfin, nous connaissons une sélectée comme finaliste. Mais moi, je trouve tous les 25, tu es bien jolie, intelligente, c'est de façon de parler, tout ça. Mais pas je peux connaître pour sélectionner, même mon chrome pour sélectionner, mais quand même pour vivre, moi je suis parmi 25. Et après 3 jours, ben, un téléphone moi, secrétaire un téléphone moi, je suis bien content. Après quand je suis une finaliste, ça c'est bien, c'est difficile, c'est une bonne news, mais c'est difficile quand même parce que ça demande beaucoup de discipline. Ça concours là demande beaucoup de discipline. Et beaucoup de ponctualité, ne pas se poser venir en retard, n'importe quand, n'importe qui, meeting. Nous avons beaucoup de formation, comment marcher, nous apprendre comment marcher avec Danica, avec les autres Miss, Dalisha. Nous passons beaucoup de bons moments, tous les 12 finalistes. Et après, tu es en finale. Une fois low stage, cette adrénaline là, surtout que tu peux marcher pour toi devant, toi le présente toi, aussi qui a une introduction about yourself. Comment te trouves toi le stage et tout ça dit mon aime, aussi tu trouves le public noir et tout la lumière autour toi. Dis-nous un petit peu. Oui, oui exactement, je trouve public noir, même si j'ai envie de trouver Ben Dimoun là-dedans qui me connaît, mais à ce moment-là, je trouve juste noir là-bas. Franchement, je suis vraiment stressée parce que je suis déjà bien fière qui, au moins, peut trouver moi dans parmi mes finalistes live. Me connaître si me pousse stressée, me capable pas pour rire bien ou pas pour moche bien. Mais c'est pas évident surtout à l'épreuve que tu là, tu devant tout ça vendu mona, tu pas connais qui peut passer de toi là, tu ne pas connais qui peut passer. Oui, exactement. Oui, ça, c'est un moment là, moi, oui, il y a un grand sourire au visage, mais à ce moment, je pensais tout ça, je ne l'avais pas connu comment nous peut stresser. Mais même ça, nous besoin il y a un grand sourire. En fait. Sourire là, c'est genuine parce que nous sommes vraiment fiers nous tous, qui nous verrons si moi aussi, comme on dit live devant nous tous. Donc nous sommes stressés, mais en même temps, nous sommes contents. Est-ce qu'il tenait la ligne pour la vie au fait? Oui, exactement. Behind everything, there is a reason. Oui. Il y a tout à fait besoin d'une raison. Donc même si mon père a gagné couronne, moi je vous pensais que. Bien, ça fait qu'il est réservé pour moi. C'est pour cela que je vais gagner Corona. Par rapport à toutes les questions qui finissent pour toi de sa plateforme là, moi, j'ai envie de demander une petite question. Et moi aussi, tous nos camarades mauriciens, j'ai envie de connaître qui Bessica est là, qui changement en fait, tu as envie d'amener étant qui Miss Maurice pour la société. La société, comment elle peut aller, me trouve bien meilleur qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, donc nous tous à l'université, tout le monde aujourd'hui à l'université, nous à l'école, nous avons beaucoup facilité le transport, donc
pour les femmes surtout, donc pour tout le monde, pour tout, il est beaucoup plus facile qu'avant. Donc moi, je trouvais que la société, je me trouvais bien améliorée. Quel est ton point de vue, la politique de Maurice, en fait, étant qui femme, toi? En tant que femme, donc dans la politique, si je me trouvais que ma femme peut bien évoluer. Mm-hmm. Avant, il y a nos présidents, mais assez nos speakers aussi. Qui t'a plus envie de venir dans le futur, comment dire, qui titre t'en envie accueillir dans Maurice surtout? Il y a 2-3 mois de cela, moi j'ai envie de venir Miss Maurice, donc mon récit venir. Ça a une affaire qui me récit faire avec beaucoup de difficultés. Et là, en ce moment, plus tard, j'ai envie de venir psychologue. Psychologue. Avant ça, j'ai envie de devenir lecturer. Lecturer. Oui, depuis tout le temps, j'ai envie de professeur. Oui. Avant, j'ai envie de professeur haute, mais comme je choisis la psychologie, moi, j'aime devenir lecturer dans l'université. Moi, plus envie de travailler dans l'université. Et après, j'ai envie de devenir psychologue. Un mot de la fin pour tous les jeunes qui écoutent en ce moment. Oui, surtout les jeunes filles qui écoutent en ce moment. J'ai envie qui, tout comme mon participer pour inspirer les là, pour participer à ce concours-là, j'ai envie qu'ils aient participé. Gagne beaucoup plus de confiance en eux-mêmes parce que je connais que ça manque de confiance hein, dans ça en presque nous tous, surtout les jeunes. Donc, j'ai envie qu'ils gagnent beaucoup plus de confiance en eux parce que c'est ça qui rend eux beaucoup plus belles et aussi attirantes. Quand ils ont confiance en eux, ça paraît à l'extérieur. En tout cas, un grand, grand merci à toi, Miss Maurice. Moi, je dis merci, merci. Et c'est Miss Maurice et moi-même, Manishma, de la part de Radio Plus et Télé Plus. Bye bye.